Et salut Mélodie, salut Twitch. On démarre dans quelques instants. J'ai juste mon PC qui fait quelques petits trucs. Du coup, j'aimerais juste relancer pour avoir la page de modération pour le chat. Voilà. Et normalement, c'est bon. Ok. Et ben, on va continuer. On va essayer de s'échapper de la prison. Alors, ça fait quelques jours, donc j'avoue que je sais même plus trop où je m'étais arrêté la dernière fois. Comme j'ai pas pu faire de live ce week-end avec les Utopiales notamment. Mais c'est pas grave. On y retourne. Oui, dans les prisons, ça je me souviens, je sais plus exactement à quel moment je m'étais arrêté sur tout ça que je voulais dire. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Ah oui, on était arrivé dans cette pièce, c'est vrai. Où on avait donc une machine à écrire. Alors, est-ce qu'il y a des documents à lire par ici? J'ai pas l'impression. Alors, je vais regarder sur mon plan. Hop. Ok, machine à écrire. Donc ça, c'était bon. Et alors, qu'est-ce que j'avais récupéré du coup comme objet? Voilà, le poids léger. Ok. Et ben, on va retourner vers la cour et on ira poser le poids léger avec les autres poids. Ah, mais il y a une manivelle là. Je sais pas si ça va changer grand-chose pour moi ou pas, mais non, c'est juste pour éclairer quoi. Ok. Oui, il nous reste au moins une étape à faire, ça c'est sûr. Alors je sais même plus à quel truc ça correspondait. Non, c'est pas très grave. Ah, alors, on a un cri de jeune fille qui vient de retentir. Il est dessiné sur le plan, le bœuf à cornes, ok. Alors j'ai cru que c'était une échelle, ça, mais pas du tout. Alors je ne sais pas par contre d'où vient le cri, s'il vient de par là ou de par là. Alors, que me dit mon plan? On va aller voir tout droit, hein. Je pense que le cri venait plus de là. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on passe par-dessus l'église, exact. Mais alors, est-ce qu'il faut que je repasse par là ou par l'autre porte? Parce que j'étais arrivé par là, ça je me souviens. Parce que je m'étais justement fait la réflexion qu'on passait par-dessus l'église où on était avant. Ou comme tu as débloqué un raccourci, cet étage ne correspond pas à celui du bœuf. Ah, peut-être, oui. Peut-être, peut-être. Parce que là. Alors là, faut que je fasse attention. Comment je suis d'ailleurs niveau munitions? Ouais, c'est pas tip-top. Enfin, c'est pas trop mal, mais. Non, ça, c'est pas ce que je voulais. Ouais, alors. Déjà, je vais essayer de retourner vers la cour et puis. On entend tout un tas de bêtes, hein. Donc, il y a un petit escalier ici. Tiens, ça me dit rien celui-là. Ah, si, ok. Et c'est fermé. Alors, il doit y avoir des monstres juste derrière parce que. Là, ça grésille comme si j'étais juste à côté. Ouais, c'est ça, ils doivent être juste derrière. Alors, voyons voir.
Ok. Là, on va être tranquille, on va pouvoir regarder le plan un petit peu. Donc, moi je reviens de la gauche. Ok. Si je fais carte précédente. Non, ça doit pas être ça. Section sanglier. Bon, dans tous les cas, allons mettre le poids dans la cour et puis ça ira bien. On verra après. Ouais, donc il doit nous rester le, je sais plus, c'est la colombe ou c'est pas du tout là où je voulais aller. Merde. Merde. Je sais même plus où je suis malheureusement. Ouais, c'est par là. J'espère. Non, c'est pas par là. Ah zut. Vite fait là. Ok. En fait, j'avais juste à aller tout droit. Hop. Alors. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai 4 poids. Donc j'ai tout fait déjà ou... Étrange. Alors on va sauvegarder un petit coup ici. Oui, le jeu m'en donne un au début, mais comme il y en a 4 à obtenir, et que là j'en ai 5, je trouve ça étrange en fait. Alors, je vais vérifier sur mon plan avant d'aller plus loin. Ou tu as autre chose après avec la dernière place? Oui, peut-être, oui. Alors, sanglier sans yeux, bœuf sans cornes, colombe sans ailes, ouais, et serpent sans tête. Bon, on va aller voir la colombe du coup. J'ai l'impression que ça libérait un peu tout le monde. La vache! De où elle peut venir jusque là? Merde, elle est passée où? Oh putain, elle est derrière! Bon. Ah! Bordel de merde. Merde. Eh ben. Alors, c'est parti. Ok. Alors, je vais peut-être me soigner un petit coup, par contre. Hop, voilà. Donc là, une musique qui est oppressante dès le début.
Et un retour au calme. Au très calme même. J'ai rien dit. Oh là, alors là, le souterrain est vraiment très différent des autres, je trouve. Certes, on garde cette idée de cellule, mais il y a des ronds, ça tourne. L'ambiance est très très différente. Ok, donc là, une chambre d'isolement. Oh, ça bouge par là. Là, on a de la lumière qui vient de par ce côté. Ah, on a quelque chose ici, mais... Ah, le poids est ici. Ok. Ok. Ça pue. Ça pue et je vais regarder ailleurs pour l'instant parce que... Ça m'inspire vraiment pas confiance du tout. James qui grogne. Et salut Lily, comment vas-tu? Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est joli tout ça. Est-ce que Sabine Van était par là? Alors, voyons voir. Ok. Femme qui vole. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'homme en feu. Eh bien. Alors, ça rien, j'ai pas trop peur dans le jeu. Moi, ça me fait trop flipper. Non, non, moi ça va, je suis un habitué des Silent Hill. Depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, donc il n'y a pas trop de. Ça va quoi. Alors c'est sûr que c'est pas un jeu, c'est pas un jeu détente, c'est pas Minecraft, hein. Mais ça va. Alors qu'est-ce que c'est que ça? 436 personnes à un récital. Ok. Donc que je refasse ce tour. Donc là on a 436, une femme qui vole et l'homme en feu. Ok. Je sais pas bien ce que je vais faire de tout ça pour l'instant, mais on verra. Oh, désolé, je m'arrête juste là-dessus, mais les effets de peinture sont juste incroyables là sur le sol. Je trouve ça juste trop bien fait. C'est un détail, mais... bah là, j'en viens. J'ai regardé déjà. Donc ouais, il me reste vraiment que la pièce du fond, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette pièce? Ok. Exactement, Mélodie. Exactement. Hop, 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 ça bouge par là. Je sais pas où, mais ça bouge.
Alors j'aurais peut-être dû aller regarder dans la pièce. Alors que je regarde ma map avant de faire quelque chose. Parce que du coup, la F7. Étrangement, la F7, ça m'a dit que j'y suis allé alors que non, je suis juste passé devant. Avant de prendre le tournant là, avant de faire la F10 et de péter ce mur là en F9, je vais retourner voir en F7 si je suis pas passé à côté de quelque chose quand même. Parce qu'on a vu un monstre y entrer. Et je vais essayer de faire un petit peu dans l'ordre que le jeu veut me dicter. J'aurais pas dû. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce très accueillante? Rien. Bon, au moins j'aurais tué le monstre. C'est déjà pas mal. Ah oui, mais c'est qu'il y en a de ce côté-là aussi. Alors attendez. Donc là, c'est la F9. Là, il y a une autre pièce juste ici. Ok, bon, on va faire ça d'abord. Et on verra après. Ok. Hop, 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 ça bouge. Ok, ça bouge, mais ça vient du couloir. On l'a vu passer. Ok. Est-ce que je m'élance déjà vers le haut? Dans tous les cas, le poids est en bas, donc il faudra y revenir, hein. Alors, où est-ce que ça nous amène, ça, du coup? Ok, donc je suppose que c'est un raccourci. Ok, ouais. Raccourci. On entend encore des cris. Peut-être pour revenir plus vite, justement, vers la cour, j'imagine. Serait allé par là, mais est-ce qu'il va nous sauter dessus un moment? Ok, là il y a rien en fait. Je croyais que ça continuait, mais le plan nous... Ah mais oui, d'accord, ok, oui. Avec les formes rondes, le plan nous mène un petit peu en... Pas en bateau, mais il vient déstabiliser un petit peu la perception du lieu. Ok. Oh mince! Je me suis trompé de bouton, j'ai pris une boisson au lieu de récupérer l'objet. Zut, zut, zut. Bon, au moins ma santé va être au maximum. Hein. Hop, hop, hop. Merde. Du coup, je sais pas trop ce que c'est que cet endroit. C'est peut-être juste que les barreaux sont pétés en fait entre chaque les barreaux et les murs en fait. Parce qu'il n'y a pas de séparation. En soi, c'est pas si important.
Voilà, là je me trompe pas cette fois. Ah ben non, ça c'est celle que j'ai tuée tout à l'heure en fait. Mais oui, ok, oui. C'est parce que là il y a une séparation que. Ok. Ah zut! Zut, zut, zut. J'ai gaspillé un peu mes balles là. Je vais retourner peut-être plus sur le pistolet. Alors pour l'instant, je trouve pas vraiment d'indice pour. Zut. Oh la vache! J'ai encore gaspillé des balles. Bêtement. Ok, donc ça, c'est la porte où on ne pouvait pas aller tout à l'heure. Et alors du coup... Ah, là, c'est fermé. Je trouve pas... Qu'est-ce qui est... Enfin, je suppose que ça va être par là, mais je vois pas trop ce que je pourrais utiliser du coup pour ramasser le poids manquant qui est dans la cellule fermée. Alors là, ça vibre dans la manette. Ah. Ok. Alors ça. Alors je sais pas si vous avez bien entendu, mais il y a eu une voix très grave qui a dit un truc imprononçable et qui semblait venir plutôt de notre. Alors j'allais dire de notre dos, mais ça vient de leur faire. Donc je ne sais pas trop. Je vais me ressoigner quand même. Est-ce que c'est juste un truc d'ambiance qui est là juste pour effrayer? C'est pas impossible, ça vient de le refaire. Ok. Alors, où est-ce que ça nous amène là? La map. Ok. Donc là, ça nous amène dans un endroit qui était fermé avant. On va peut-être trouver des clés. Ou quelque chose dans le genre. Que je me fasse pas avoir. Ok. Hop. Alors, voyons voir. Du fait d'actes de violence récents, le prisonnier D-239 a été transféré à l'isolement cellule F6. Oui, tout à fait. Donc, je suppose qu'il va falloir, oui, aller voir en, oui, en F6, c'est là où est le poids, ok. Ok, là de toute façon il semble rien avoir dans cette pièce. Là non plus a priori. Ah, ok. Alors F5, pourquoi j'aurais besoin de la F5? Alors est-ce que je peux ouvrir les deux d'ailleurs, d'un coup ou... Oui, bon. Oups.
Ça va être la F5. Je vais pas aller dedans. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Et là, la F6, je vais bien être obligé. Alors. Ah oui, c'est très glauque. Poids le plus léger. Ok. Alors, j'ai pas eu le temps de lire la note, par contre. Pardon, pardon, je ne pouvais pas les laisser t'emmener, et maintenant, tu es... Tu es toujours là, pas vrai. Ok. Alors, la porte s'est refermée, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est fermée à clé? Peut-être pas. Peut-être que si. Hop. Alors. Plus de bruit. C'est ouvert. Et il n'y a personne. D'ailleurs, les cadavres des monstres que j'ai tués n'étaient plus là non plus. Alors, que je regarde ma carte. Eh bien, j'ai juste à aller tout droit, a priori. A priori. On a eu un drôle de bruit juste avant. Oh, mais on voit un peu mieux maintenant qu'il pleut. Alors, voyons voir. Une petite sauvegarde, comme toujours. Et un petit bonbon. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai encore des choses à faire? Je suppose peut-être qu'il faut trouver l'équilibre. Passe. Alors, je pars du principe qu'il faut trouver l'équilibre hein, entre les deux, mais ça se trouve, c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Voilà. Levier d'exécution. Voilà la pièce qui manquait du coup sur le sur la potence là-bas. Alors. OK. Donc,
1, 2, 3 et 4, 5, 6, juste ici. Voyons voir. Donc, tirez une fois sur une corde effilochée, choisissez le damné qui mérite son sort, écoutez leur histoire, songez à leur péché, ou laissez le hasard, ou laissez faire le hasard, le jugement peut commencer. Alors, oui, mais alors, comment je vois le... Peut-être ça, du coup. Ok. Alors, donc ça, c'est pour le numéro 1. Votre grâce, je ne peux implorer, car par les flammes que j'ai libérées, les cris des sœurs et des enfants ont retenti, et personne n'en est ressorti en vie. Ok. Donc là, on a une personne qui semble avouer un crime, du moins d'avoir mis le feu. Les richesses d'autrui, j'ai dérobé. Le septième commandement, j'ai brisé. Mais de bon larcin, je ne regrette rien. De bonne raison, j'en avais plein. Ok, donc là, on a le vol. J'ai pris l'enfant, je ne peux le nier. Dans la nuit noire, je l'ai porté. Ni cri de sa part, ni hurlement. J'étais son père, évidemment. Donc là, on a le kidnapping par le père. Quand le soleil s'est éclipsé, j'ai découpé la chaîne rouillée, j'ai poussé la porte pour me faufiler et remplir mes poches à volonté. Donc là, ça semble être le vol également. Chère maman, mère de douceur, tu m'aimais vraiment de tout ton cœur. Pourquoi, oh pourquoi, as-tu crié quand la lame de mon arme l'a transpercée? Donc. Là, c'est visiblement le meurtre, mais le meurtre de qui? J'ai patienté, j'ai pris mon temps, j'ai attendu ce châtiment. L'homme est apparu sans me repérer, sans fin sanglante, il a bien vite sa fin sanglante, il a bien vite trouvé. Donc là, on a la vengeance, visiblement. Donc on a des vols et on a des meurtres. Le premier, donc par le feu, semble regretter son geste. Ça semble un incendie plutôt involontaire. Le deuxième, donc il dit qu'il a transpercé une personne, mais qu'il ne voulait pas que sa mère le voie ou le découvre. Donc peut-être qu'il a tué un père ou un grand-père abusif, quelque chose comme ça. Le dernier, par contre, n'a pas de remords. Il a calculé sa vengeance pour moi. Voilà, j'ai attendu ce châtiment, j'ai patienté, j'ai pris mon temps, etc. Et en plus, il a tué la personne sans que, enfin, par surprise. Par contre, on ne sait pas pourquoi il l'a tué, quoi. Donc, a priori, moi je dirais plutôt le 6, sachant que les autres, ce sont des vols. Pour moi, le vol ne mérite pas une telle sentence. Je vais essayer de pousser la corde du 6, on verra bien. Ah, mais non, attendez, il faut que je relise l'énigme. Hop. Tirez une fois sur une corde effilochée, choisissez le damné qui mérite son sort, écoutez leur histoire. Ce serait pas plutôt leurs histoires d'ailleurs, il va manquer des S peut-être. Songez à leur péché, là pareil, ou laissez faire le hasard, le jugement peut commencer. Parce que. Alors pourquoi j'hésite en fait? Tout simplement parce que dans le Silent Hill 2 d'origine. Il y avait plusieurs cordes à tirer. L'énigme était un petit peu différente. Et il y avait des cordes à tirer bah, dans le bon ordre, entre guillemets, quoi. Donc, non, ce sont celles des amis, une pour chacun. D'accord, ok. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Bah oui, mais alors, du coup, dans. C'est quoi? C'est dans quelle série là? NCIS ou FBI, je sais plus quoi. Voici leurs histoires. Tchoum, tchoum. Non, c'est encore une autre règle qui s'applique, j'imagine.
Bref, moi je vais tenter de faire la corde du 6 et puis on verra si ça marche ou pas. S'il faut en choisir qu'une ou pas. On verra bien. Ok, d'accord, ouais. Ouch! Ça, c'est pas ce qui était prévu. Mais on parle de règles de grammaire parce que voilà. Est-ce que c'est important aussi? Alors, est-ce que je viens de choisir, entre guillemets, ma mort, c'est-à-dire qu'il y a un type qui va me prendre par surprise et me poignarder? J'espère pas. Où est-ce que je suis d'ailleurs? Il n'y a pas de carte. Ok. Oh putain, ça m'a surpris. Alors la morgue, ouais, la morgue, c'est vrai que ça c'était dans le jeu de base. Enfin le jeu de base, le jeu d'origine, pardon. Pas si incru. Mais en fait, quand j'ai vu les trucs ronds au tout départ, j'ai cru que c'était une laverie aussi. Puis après, j'ai vu le corps. Oh. Il y en a un qui s'est réveillé ou. On a eu un bruit de voix. Alors pourquoi je fixe leurs pieds? Non pas que je sois fétichiste des pieds, mais parce que dans le Silent Hill 2 de l'époque. On était amené à fouiller un peu la pièce et je crois y revenir une ou deux fois. Et j'étais persuadé qu'il y en avait un qui bougeait les pieds en fait à l'époque. Mais c'était discret en fait. C'est quand tu revenais ou quand tu retournais la tête, le pied n'était plus tout à fait dans le même machin. Et du coup voilà, je regardais s'il y avait ça, mais j'ai jamais su si c'était vraiment ça ou pas en fait. Ah bah. Parce que oui, à l'époque de la PS2, il n'y avait pas de capture d'écran et tout le reste, quoi. Donc, c'était compliqué de. Enfin, bref. Et ben, encore un autre trou. Eh oui, PS2, ouais, ça nous rajeunit pas. 2001. Là, on est sur le remake PS5, mais 2001, le jeu d'origine. Ah, excellent! Je crois savoir où on est. Si c'est ce que je pense, évidemment. Alors là, on a une sorte d'alarme, par contre, extrêmement. Ah, on est vieux, non, c'est les autres qui sont jeunes. En fait, on n'est pas du tout là où j'imaginais. Encore un trou. Et zut, quel idiot, je suis pas allé voir à côté. Ah bah la PS1 c'était incroyable aussi. Le premier Silent Hill était sur PS1, hein. 1998. On descend beaucoup quand même, je trouve là.
Ah, pour le coup, je suis bête de ne pas avoir testé l'autre porte avant. Je pensais pas en fait. Comment dire? J'avais pas compris spécialement que c'était une cage d'ascenseur en fait. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon bah voilà, c'est juste un emplacement avec des grillages autour. Et j'avais pas pris ça pour une cage d'ascenseur spécialement. Mais sinon, je serais allé directement tester l'autre porte. Bon, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Hop. Petite double sauvegarde. Et justement, c'est pour ça que j'ai double sauvegarde. C'est parce que justement, moi, j'ai, comme j'ai grandi avec les PS1, PS2, etc., qui n'avaient pas de sauvegarde automatique, c'est mon traumatisme des vieilles sauvegardes. C'est pour ça que je sauvegarde plusieurs fois mes parties. Hop là. Alors, excusez-moi, je vais juste boire avant. Parce que je pense que ce qu'on va avoir derrière, c'est pas forcément le plus sympa. Ok. Allez, c'est parti. Bah, surtout que là, en plus, ils nous ont quand même bien gardé le. Alors, certes, il y a des sauvegardes automatiques, il y a des checkpoints. Mais ils nous ont quand même gardé ce côté sauvegarde manuelle à des endroits bien précis. Et j'apprécie beaucoup ça d'ailleurs. Et du coup, je suis rassuré, il n'y a pas que moi qui fais ça encore maintenant. Alors que dans les Sims, tu n'as aucune sauvegarde, donc si tu la fais pas toi-même, tu es mal. Oui, bon après là, on est. Surtout lorsque tu joues 3 heures et qu'à la fin le jeu bug. Évidemment. Mais là, on n'est pas sur le même niveau de détente que les Sims, tu vois. Alors, on entend du bruit dans le fond. Je sais pas si c'est des bruits de cochon ou de télé. Peut-être que c'est un peu des deux. Peut-être qu'ils sont sur BFM ou CNews. Ah, là maintenant on entend plutôt des murmures. Je sais pas si c'est du Fourchelangue ou si c'est Saruman. Alors ça, je vous avoue que de mémoire, c'était pas dans le jeu d'origine, donc je découvre en même temps. Ah, Angela. Est-ce que c'est là ou là? Et là, on a quoi? Là, c'est fermé. Donc là, on a des articles de journaux un peu tout autour. Ok, on a l'impression qu'on est revenu dans les appartements. Alors, ça veut rien dire ce truc.
rien voir. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Ok. Wow. Wow. Ah, il a pété des murs, mais je ne sais pas lesquels. Ok, il est là. Oh merde. Oh oh. Wow, 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 wow. Ok. Je sais pas si c'est bon signe ou pas, en fait. Je sais pas si je l'ai eu ou pas. Je pense que non. Je pense que ça doit être la première étape, logiquement. Oh, oh, il y a du bruit par là. Ok. Ok, la porte qui était verrouillée là-bas s'est ouverte. Je vais juste rejeter un œil si j'ai rien loupé dans cette pièce. Et bah si. Hop. Et là, normalement. Et bah si, en fait. J'avais loupé pas mal de choses. Alors. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ok. Mais on peut pas la suivre du coup. Alors, j'imagine que non.
Ok. Ah. Oh putain. Alors, ça coupe un peu le truc, mais là... Non. Raté, connard. Ok. Ok. Bon. Ah ouais, là pour le coup c'est vraiment très très différent du Silent Hill de 2001. Ce boss là, qui était iconique, enfin ils ont rendu le truc encore plus stressant, je trouve. C'est difficile à expliquer, mais j'expliquerai peut-être après, pour le coup. Mais ouais, ils ont vraiment réussi à... Et je trouve que ça colle encore mieux, en fait. Mais j'expliquerai après. J'expliquerai après. Waouh. Ça, c'est glauque. Alors, une photo déchirée. Et un nounours. Une cachette, entre guillemets, quoi. Alors, il nous reste là-bas. Allez voir. Waouh! Je vais essayer ça. C'est peut-être débile, mais... Ok. Ok, c'est toujours fermé. Excellent. D'un point de vue design. Alors je dis plus rien. Ok, d'accord. D'un point de vue design, ils font un truc de dingue, je trouve.
Waouh. Je suppose que c'est comme, comme tout à l'heure. Voilà. Ouah, raté. Don't order me around! I'm not, I just...
It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela. I don't know who you think I am. But I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. Find my mama. I never. Je me demande ce que The Dark a pensé de ce passage. Pourquoi The Dark? Parce qu'il me semble pas que The Dark joue au jeu. Là, je viens de déverrouiller le trophée impardonnable. Et oui, du coup, ça, c'est un des passages très forts du jeu. D'accord, ok. Donc, c'est le Monster Daddy. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer ce qu'il pouvait faire à sa fille. Hein. C'est un des boss pour moi les plus marquants, et je trouve que là ils l'ont encore mieux réussi que dans le jeu d'origine, parce que dans le jeu d'origine en fait de base on était dans des souterrains un peu humides et du coup on finissait par tomber donc sur le monstre et Angela, et c'était en fait on devait le vaincre dans une pièce carré avec juste des trous dans le mur et un mécanisme avec un tuyau qui fait des va-et-vient. Donc c'était déjà une symbolique assez forte. Mais là pour le coup, on a une symbolique qui je trouve encore plus forte parce que ça nous ramène dans leur foyer, donc le foyer qui est censé être l'endroit de sécurité, et petit à petit en fait, plus le père devient violent et fait ses atrocités, plus le foyer en fait tombe en ruine en fait, plus plus en fait tout se déconstruit autour d'Angela quoi. Le foyer est détruit et sa vie est déconstruite en fait et démolie avec les atrocités que fait son père quoi. Et elle est en recherche de sa mère et je crois qu'elle a mentionné son frère ou sa sœur, je ne sais plus, au tout début du jeu. Mais au moins de sa mère, ça c'est sûr. Et ouais, on peut se douter que si Angela a vécu ça, sa mère a dû vivre au moins les mêmes choses, quoi. Alors. Et du coup, en fait, pendant un instant...
Donc là, du coup, comment dire ça? De base, donc on traverse la prison et on peut se douter que bah, peut-être que le père d'Angela quand même finit par être chopé et est allé en prison, mais dans tous les cas, ça a démoli la famille, quoi. Et je ne sais plus du tout où je voulais en venir avec cette phrase, mais c'est pas grave. Là, ça ne s'ouvre pas. Mais je trouve que ouais, ce dédale et toute cette symbolique en fait, avec le moment où on peut se cacher dans le placard, le fait de casser les télés, tout ça vraiment, on sent qu'il y a vraiment tout un background très très chargé en fait, et qu'on peut retrouver dans les violences domestiques notamment quoi. Et là c'est le, bah là c'est le cas quoi avec avec l'histoire d'Angela. Et du coup, voilà, oui, si c'est ça où je voulais en venir, c'est que bah, en fait, pendant un instant, on a été plongé dans le Silent Hill d'Angela, en fait. Dans ouais, dans le traumatisme d'Angela, quoi. On n'était plus seulement dans le traumatisme de. Dans le Silent Hill de James et son traumatisme pour retrouver Marie, mais bien dans celui d'Angela, quoi. Voilà, on a tout le spectre de ce qu'on peut retrouver, hein, l'alcool, la télévision et les violences, etc. Enfin bref. On peut même ajouter la pauvreté, je pense, parce qu'on voit dans le dans tout ça que. Alors, il a ouvert sa carte tout seul, hein. C'est pas moi. Mais ouais, on pouvait voir quand même des conditions très modestes pour la famille, quoi. Carte du centre du labyrinthe. Ok. Alors ça, je vous avoue que c'est totalement nouveau. Parce qu'on était plutôt tranquille après ce boss là dans le jeu de base. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Alors c'est très particulier parce que j'ai envie de m'en approcher, mais en même temps pas du tout. On va plutôt aller sauvegarder. Et puis on va voir ce que ça nous propose après. C'est très très particulier ce truc. Et c'est là où le jeu se joue de nous un petit peu aussi, parce que vous voyez, le rouge, en fait, dès qu'on croise du rouge durant l'aventure, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que généralement c'est une pièce tranquille, c'est un endroit où on peut sauvegarder, c'est un endroit où on peut se poser, où on va pas être, on va pas nous sauter dessus. Et en même temps, là, ce truc très rouge, j'ai pas l'impression que ça nous veuille du bien, quoi. Je vais m'en approcher parce que comme je viens de sauvegarder, je risque pas grand-chose, mais c'est vraiment par curiosité que je tente, quoi. Il regarde. Ok, il peut pas. Ok, intéressant. Intéressant. Bizarre, mais intéressant. Wow. Donc là, c'est sans fond, on dirait. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être dans un niveau des backrooms. Avec ces espaces liminaux très flippants.
ces grands espaces. Je vais tester la porte quand même là-bas, évidemment, avant de descendre. Ok, c'est fermé. Yes. Maria? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? You chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? If you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to. I'll come back. Alors. Donc ça, c'est une des scènes mythiques du jeu. Évidemment, c'est une scène qui a marqué beaucoup de monde, qui retourne le cerveau un petit peu, parce que... Qui est-elle? Est-ce qu'elle est Marie? Est-ce qu'elle est Maria? Est-ce qu'elle est une illusion ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment réelle, comme elle le dit? Son vernis était caillé loin sur les détails. Oui, mais carrément, ouais. Carrément. Là, le niveau de détail, de toute façon, dans le jeu est simplement incroyable. Et là, ça a changé. Je vais juste retourner voir s'il y a toujours le truc rouge là, étrange, là-bas. Ouais. Ok. Je vais re-sauvegarder.
Alors. Ok, là c'est toujours fermé. On n'a pas le choix. Oh oui, je me souviens de cette énigme. Alors je me souviens pas forcément de la réponse, mais je me souviens de l'énigme en tout cas. Qu'on avait ça. Alors on avait un tête de triangle par là. Et oui. Alors, il faut que j'arrive à mettre, je suppose, le triangle dans le même sens que sur le mur. Ah mais non, parce que le triangle est inversé en fait sur le mur. Alors, comment on fait déjà? Ah, ça c'est nouveau. Ah non, je croyais que c'était un levier, mais en fait pas du tout, c'est un énorme tuyau. Mais oui, on peut jouer avec les deux en fait. Ok. Voilà. Bon, c'était assez simple hein, au final. Je vous explique même pas. Hein. Le pauvre James, il a quand même zéro moment pour souffler, hein, je veux pas dire, mais il enchaîne les trucs là. Alors on a trois portes vraiment différentes pour le coup. Là c'est fermé. Ah. Là c'est ouvert. Et là c'est fermé. Mince, j'ai cru que c'était une bestiole. Carte de la zone putride. Ouais, c'est pas très appétissant, hein. Effectivement. Eh ben génial. Waouh. Ok. Je me demandais ce qui faisait le bruit, mais c'est ça. Je crois que c'est la pièce de sauvegarde la moins
la moins rassurante qu'on ait eue jusque-là. Alors avant de tirer sur le levier, je vais inspecter un peu les autres pièces. Hein. Ok. Est-ce que je viens de... Non, je viens pas de là. Non. Ok. Ouais, alors c'est un vrai labyrinthe. Par contre, faut vraiment que je fasse gaffe. Ça... Ouais, si j'ai une carte quand même, ok. Là, j'ai pas de quoi ouvrir. Je le sens pas ce truc, je vais aller voir de l'autre côté. Je le sens vraiment pas. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Pas d'objet non plus, ok. Le bruit, en fait, je sais pas si si ce sont des monstres comme on avait croisé dans les tunnels dans la ville ou si c'est autre chose. De toute façon, il va bien falloir aller quelque part. Hein, donc, j'allais commencer par là. On va retourner par là. Ah, j'ai plus du tout de fusil à pompe, zut. Bon, c'est pas grave. Ah, oui. Ah ouais, carrément. C'est pas cool, mec. Oh putain la vache! Je cours mais je sais pas où je vais, hein. Je vous avoue que... Là, on est peut-être dans ce que le jeu a fait de plus glauque depuis le départ. Ou dans le sens où on sent vraiment qu'il n'y a plus de... Comment dire? Il n'y a pas de répit, quoi. C'est... Oh putain, voilà la preuve.
Ok. Eh ben. Oups. Ça se trouve, c'est pas là du tout qu'il faut l'amener en plus. J'ai pas trop fait attention, je suis passé par là direct, mais. Voyons voir. Généralement, c'est pour monter, mais. Ah oui, alors c'est pour retourner. Non, on est arrivé par la pièce ici. Oui, c'est ça, on est arrivé par la pièce ici, d'accord, ok. Donc, c'est bien pour monter toujours. Mais. C'est là-bas. Alors, on entend du mouvement par là-bas. Hein. Ah bah on voit même le frigo bouger pour le coup. C'est charmant. Alors, gaz pour briquet. Ok. C'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant. Au feu, ouais. Ah mais alors attendez, parce que du coup moi je suis arrivé de là. Là j'ai pas testé, je pense. Oh ça, ça pue ça. Hein. Ok. Donc je suppose qu'il faut pousser l'armoire. Ok. Alors par contre, du coup, il y a une pièce que j'ai pas. Une pièce que j'ai pas tenté d'ouvrir encore non plus. Donc, on est arrivé de là. Oh, excusez-moi. Ok, bah de toute façon, c'était fermé.
café. Non, là, c'est juste du, juste de l'oasis, mais du coup, j'en déduis que mon micro s'entend bien, enfin, est performant. Ah merde, on est retourné là-dedans. Ah. Eh ben, désolé pour le bruit. Ah là là. Allez, James. Merde, c'est pas une porte. Allez, James, cours. Merde, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Ah si, il y a une porte. Mais elle est fermée. Ah, puis ils sont plusieurs en plus, c'est con. Aïe, mais les gars... Alors, je suis où, là? Ah, bah, je suis revenu... Je suis revenu, là. Alors. Bon. On va sauvegarder ça. Hop là. Donc, la cache suspendue. Ah bah oui, il me reste un côté que j'ai pas fait, puis tout droit que j'ai pas fait non plus. Donc là, j'ai récupéré. J'ai récupéré un objet. Par contre, c'était fermé au bout. Est-ce que c'est la porte que j'ai essayé qui était fermée ? Probablement. Probablement. Bon, bah, va falloir faire les deux autres côtés, hein. Pas le choix. Qu'est-ce que là dans mon inventaire, j'ai juste le gaz pour briquet, donc je suppose qu'il va nous falloir bah, un briquet. Merde. Ok. Alors, c'est pas du tout ce que je comptais faire. Mais ok. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment une porte là-bas, là, sur la droite? Enfin, ça... Non, je pense pas. Je voulais parler de là, là, parce qu'il y a un trait qui est un peu plus gras. Mais est-ce que c'est une porte réellement? J'en sais rien. Ou alors, je vais tout droit, puis on verra bien, quoi. On va faire ça. Dans un premier temps. Zut, zut, zut. C'est pas sport, ça, les gars. C'est pas sport du tout. Ah, peut-être là? Ouais. Allez, dépêche, James.
Ok. Donc ça, c'est souvenir de... Souvenir du jeu de base, enfin du jeu d'origine, pardon. Donc quoi, ouais, il y avait bien quelque chose. Ah, donc moi j'ai dû essayer d'aller sur la gauche. Et du coup, faut aller plutôt sur la droite. Donc va falloir que je m'en souvienne. Ça va pas être simple, parce que là donc... Là, si je sors, deux solutions. Soit je repasse par la pièce centrale, et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai juste à aller tout droit. Allez, go. Merde, c'est pas ça. Oh, c'est pas cool, mec. Allez. Ok, bon. Par contre, j'ai quand même bien vidé mon pistolet. Hein. Deux, et là, bref, c'est pas énorme. Vu ce que j'ai fait, je sauvegarde. Donc, tout droit, et faut que j'aille sur ma droite, du coup. Ah ben j'avais même pas vu du coup. Des allumettes, oui je pense qu'il va nous falloir sûrement un briquet ou des allumettes probablement à un moment donné. Donc tout droit et sur ma droite. Ah je me fais. Évidemment. Merde. Ok. Ok. C'est plus ou moins là où on voulait aller, du coup. C'est vraiment de la saloperie ces bestioles-là. Hein. Heureusement que j'ai pris la boisson de soin juste avant. Et j'en ai plus beaucoup. C'est vachement accueillant. Je veux pas dire, mais les photos sur le site de Airbnb ne ressemblaient pas à ça. Il a cette obsession pour aller mettre sa main dans des trous dégueulasses.
mèche pour briquet. C'est un briquet Nintendo ou Ikea, je pense, parce que pour nous le fournir comme ça en plusieurs pièces. Alors, mais alors du coup, où peut être le dernier truc? Ah, il y a deux pièces qui sont. Ah, il y a une pièce qui est entourée là-bas. Bon, on va essayer d'aller voir. Et c'est vrai que j'avais pas de clé ou quoi que ce soit, par contre. Waouh! Ah, mais je suis même pas sur le truc là, calmez-vous! Ah, d'accord, ok. Ok. Ça lui a rien fait du tout, j'ai l'impression. Bon, bah go. Oh, c'est dégueulasse, les mecs. Sérieux. Soyez sympa un petit peu, là. Non. Allez, cours. Cours, James. Oh, putain. Non! Ah bah là, ouais, je l'ai utilisé pour rien celle-là parce que je l'ai vraiment utilisé pour rien parce que là c'est une seringue qu'il me faut. Zut. Alors, donc je viens de là. Ici on a une porte. Et là-bas aussi. Ok. Ah zut! Bon, bah, elle m'aura bien amoché aussi, hein. Ah, bah, la clé qui nous manque, parfait. Enfin, on peut en déduire que c'est ça. Pas de risque, hein, je vais reprendre une seringue. Hop. La carte, ça me dit quoi là? Ok. Bon. Ok, donc là il faudra que je cours ouais, légèrement tout droit, je tourne un petit coup à gauche et tout droit. Ah non. Et bouge! Bon sang! Ah, bordel! Je vais aller sauvegarder, tiens.
Hop. Et on va pouvoir ouvrir la porte du coup qui était bloquée. Ok. Le briquet cassé. Hop, je re-sauvegarde avant de faire quoi que ce soit, évidemment. Alors, si vous ne le saviez pas, James est le cousin éloigné de MacGyver. Encore un trou, on nous demande de sauter. Et oui, encore un. Je pensais pas que cette séquence, en fait, au niveau des prisons, serait si longue. Enfin, prison plus labyrinthe, quoi. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont ajouté, en fait. Et la manière dont ils l'ont ajouté, surtout. Mon Dieu. Ok. Alors ça, je vous avoue que je m'y attendais pas. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je vais sauvegarder là.
Je vais juste essayer une chose. Voir si ça marche. Et sinon, je m'arrêterai là. Parce que je vois qu'il est déjà quasiment 23h et que ça fait presque 2h que je joue. Donc, je teste un truc ici. Est-ce que je peux le tester d'ailleurs ? Non, visiblement non. Je voulais essayer de mettre le briquet en fait. Ok, bon. Ben, ça ne marche pas. Je vais rejeter un œil à Maria. On va voir, je sais pas si elle a des balles ou des trucs à nous donner. Non, rien d'autre. Ok. Bon. Je vais m'arrêter là. Pour ce soir, du moins. Et puis, on reprendra ça demain ou après-demain ou peu importe. Et puis... Maria sert à rien. Ah, bonne question, mais est-ce que c'est vraiment Maria ? Bref, bonne nuit tout le monde. Si vous voulez poursuivre le cauchemar après Silent Hill, peut-être que vous pouvez suivre l'élection américaine. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je n'espère pas, mais on ne sait jamais. Et puis voilà. Merci Lily, merci Mélodie, merci aux gens qui sont passés sur le stream. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Ciao.